Le 12 septembre 1928, vers 14 heures, un vent violent se mit à souffler avec rage, tandis que des rafales d'eau de mer arrachaient tout sur leur passage. Dans toutes les communes, c'était le même spectacle de désolation. Sainte-Anne et Gosier ont été rasés. Le cyclone de 1928 a néanmoins suscité un vaste élan de solidarité et de responsabilité au sein de la communauté guadeloupéenne. Les représentants de la colonie, les sénateurs Béranger et Candace, ont réussi à obtenir de la métropole les fonds pour permettre de reconstruire le pays.